Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Installez-vous, on va se taper des barres. Ça va être incroyable. Non, j'espère, je sais pas ce qui va se passer, mais j'espère que ça va être bien en tout cas. Et on teste enfin le nouveau Carnot qu'on n'a jamais testé encore sur Everyma. Ouais, j'ai eu un petit peu de retard, mais c'est pas grave. Et vous voyez qu'il est tout beau. Il est tout beau le nouveau Dino, le nouveau Carnot. Et il fait très exactement 54 kg à sa naissance. Enfin, sa naissance, quand il est tout petit. 52 newtons by force. Il court à 40 km/h. Lui aussi, à ce qui paraît, il a une attaque spéciale. Je sais pas trop ce que c'est. Normalement, c'est. Quand on appuie longtemps, il met des coups de tête, je crois. Je crois qu'il met des coups de tête, mais je suis pas sûr. J'ai entendu un Utah là. Alors, il y a 2h, 2h30 de proc, je crois. C'est quand même assez long. Mine de rien. Donc, on va essayer de la jouer safe. Genre, comme exactement ce que je suis en train de faire. Vas-y, viens là. Viens là, toi. Ouais, t'as eu peur, viens là. Je vais te rattraper. Va te rattraper, toi. Viens ici. What? Hey, toi, tu veux quoi, toi? Voilà, le Ptera, là. Tu veux quoi, en fait? Ouais, c'est ça, cri, ouais. Cri. Voilà, proc, ça y fait, comme je dis. On va jouer tranquillement, histoire qu'il n'y ait pas trop de soucis. Moi, j'allais boire un coup, manger un coup. Et ouais, du coup, je disais, hein, il a une attaque secondaire. Où, en fait, quand il court, il met une charge avec sa tête. Et il est censé faire tomber les pros. Ah, il est là. Il est là. Il est où, il est où? Eh, ça disparaît à une vitesse. Il y a un petit dino là. What, il y a un gros. Non mais eh ben, je me suis fait avoir comme un bleu, quoi. Je me suis fait avoir comme un bleu. Bon, on recommence, c'est pas grave. C'était tellement obvious, quoi. En tellement obvious. Normalement, quand on court, il met la tête devant. Et je vois pas la différence. Ah si, voilà, ouais, il est en mode charge. Je peux plus tourner. Ok. Ça, faut que je le teste sur un Utah, ça. Ça, vraiment. Ah oui, regardez, il y a une petite barre rouge qui montre que ça se recharge. Ok, c'est bon à savoir. On peut l'utiliser quand même assez régulièrement. Par contre, j'ai l'impression que ça crame énormément de stam. Et pour le placer, faut y arriver. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un plomb en face de soi et qu'il ne bouge absolument pas. Donc du coup, oui, avant de faire des conneries dans cette vidéo, je pense que je vais les faire quand même. Mais au cas où, pour apprendre, c'est le principe de YouTube, des commentaires et tout ça. Donc écrivez en commentaire contre quel dinosaure cette attaque fonctionne. Parce que là, je vais pas m'amuser à faire comme Luta, à faire 10 000 prog. Je vais en faire une ou deux, si j'arrive pas. Ça dépend, on verra à la fin de la vidéo. Je vous demanderai un nombre de pouces bleus peut-être, si vous voulez voir plus. Oh, il y a de la bouffe là-bas. Bah, super ça. Ah ben, on va manger là-bas, hein. Allez, go manger, go tomber dans un piège. Ça, c'est un petit tuta. Eh, merci, hein. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre là, sans bouger, jusqu'à ce que cette carcasse despawn, et on aura un peu grandi. Enemy spotted. Je l'ai poussé dans le... Ah, je l'ai mis tellement en galère, ça me tue. Elle est vraiment trop bien, cette attaque. Après, réussir à la placer, c'est vraiment chaud. Là, il bougeait pas du tout. Hein. J'ai un peu grandi. J'ai un peu grandi, donc écoutez. J'ai vraiment fait une proc calme. J'ai pas bougé. J'ai rien fait. J'ai mangé des carcasses dans un coin, comme un gros schlag. Je ne sais pas vous montrer pendant 2 heures, je crois que c'était, j'ai pas trop capté. Et du coup, j'ai mon Carnot full adulte. Ouais, je vous ai passé, j'ai fait une petite ellipse, mais bon, c'est pas grave. Alors, 1800 kg et 350 newtons de bite force. Il court à 61 km/h. En vrai, c'est vraiment vénère. Et du coup, j'aimerais vraiment tester cette attaque. Hein, ce serait pas mal. Je vais tester en tant qu'adulte comment ça fait. Wow. Allez-moi ça. Par contre, ouais, il tourne vraiment que dalle. Hein. C'est incroyable. C'est un bus. J'espère juste que je vais pas faire de bêtises. Hein. J'ai entendu des Carnots là-bas. Je suis là. Et l'attaque, visiblement, crame énormément de stats. Bon, j'ai entendu des Utah. En vrai, c'est très très bien de jouer. Parce que là, je vous le dis, mon dino préféré, c'est clairement l'Utah dans le jeu pour l'instant. Et c'est très bien de jouer un petit peu avec d'autres dinosaures que l'Utah pour voir les dégâts qu'il met. Parce que j'ai beaucoup joué avec l'Utah en essayant d'attaquer des Carnots, et je ne sais absolument pas quels dégâts je mets en tant qu'Utah, en gros. Donc si je joue en tant que Carnot, ben, je vais certainement voir ce que je vais prendre. Hein. Oh, il y a des Utahs, là. Vas-y, venez vous battre, les gars. Alors, on va voir un petit peu. Bon, il m'a pas fait grand mal. Là, bon, je pense que je l'ai démonté.
Quand même vie. Ouais, ça va, il me reste beaucoup en vrai. Ouais, y'a beaucoup du tas quand même ici, hein. Ouais, tiens, vraiment beaucoup du tas, quoi. Pas beaucoup de stam en vrai. Moi, je suis dans un trou. Ouais, je vais leur refaire leur gameplay et moi, je vais crever comme un con. Ouais, aïe, 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 aïe. Je crois que j'en ai tué un. En vrai, trop fort le Carnot, c'est abusé. Je suis assez mal là, non? Non, ça va, en vrai, c'est abusé. Ils me font aucun dégât, c'est abusé. Mais ouais, les gars. Est-ce que je vais réussir à le pousser, genre? Je l'ai pas poussé! Incroyable! Bon, je suis clairement pas au bon endroit. Eh, je l'ai démoli, hein, c'est grave. Hein. Bon, je vais prendre cher un peu là. Toi, c'est gratuit, toi. Ouais, niveau vie, en vrai, faut vraiment que je me casse. Hein. Eh, ça pue, là. Hein. Là-bas, il y a des Deinons et tout. Je suis trop dans la merde, en fait. En fait, je suis trop dans la merde, là. Il faut clairement que mon blitz s'arrête. Bah ben ouais, beaucoup du tas, Jojo. Ah, il est là-bas, Jojo, je le vois. En gros, je les ai démolis, hein. C'est un truc de fou. Hein. Je leur ai mis super cher, je sais pas si j'en ai tué. Mais par contre, l'attaque, vraiment super dur à placer. Hein. Très, 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 très compliqué. Par contre, le bleed, stop. S'il te plaît, arrête-toi. Si la goutte atteint zéro, si elle est totalement vide, je meurs instantanément. Donc là, il faut vraiment que ça s'arrête, en fait. What? Non, 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 non. Non, non, venez pas, les Utahs. Que rien ne se passe. Oh, tiens, il y en a un là. Vas-y, la goutte, là, qu'est-ce qui se passe? Arrête-toi, la goutte. La goutte, arrête-toi. Hein. Après, c'est peut-être ça, du coup, la force de l'Utah, c'est que ça met au taquet de bleed. Et que ça ne s'arrête jamais, en fait. Ah. Alléluia. Et je me casse. Je me casse. Et il faut que ma goutte se régène entièrement, en vrai. Avant quoi que ce soit, avant de refaire une attaque, ou peu importe. Parce que là, vraiment, je suis dans la sauce. Hein. Ouais, niveau vie, en vrai, ça va, mais c'est surtout mon bleed, hein, le problème. Mais ouais, le Carnot, alors, quand même très très fort. Hein. Ils étaient beaucoup, hein. Ils étaient vraiment beaucoup, les Utahs, là. Et je suis pas mort, hein. Je sais pas si eux sont morts, par contre. J'ai pas pu voir. Bon, je vais me casser d'ici, je vais aller par là-bas. Au pire, je reviendrai, je sais qu'il y a des Utahs ici. C'est une blague. C'est une blague, sérieux? J'ai de mourir comme ça, là? C'est... sérieux? Evrima... pourquoi tu m'aimes pas, Evrima? Ciao tout le monde. Allez, tiens, voilà, c'est gratuit, ça. Gratos. Le petit bonus. Je vais reproc, je vais refaire, je connais. Je crois que je l'ai pas vu, lui, là-bas, là. Et ouais, je tuais ton pote. Non, ben voilà, on recommence avec un nouveau Carnot. Hyper vénère. Voilà, dégage. Non, 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 tu m'attraperas pas. Non, mais en gros, je vais reproc, je vais recommencer. On va se retrouver avec un Carnot full adulte. On va faire pareil que l'Utah. On va recommencer encore et encore. Mais, écoutez, moi je dis 320 pouces bleus. Ça me paraît équilibré pour en refaire parce que la prog est quand même très longue. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez kiffé, eh ben, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Hein, voilà, tout simplement. Activez la cloche, c'est très important parce que YouTube, il adore ça. Et Togmar aussi, il adore ça. Donc, c'est tout pour moi dans cette vidéo. Et tout ce qui me reste à vous dire, vous le savez. Tchuss tout le monde. Il y a un bruit. Il y a un croco. Mais c'est moi qui l'ai mangé, qui l'ai tué. Bon schlag.